Ce matin, à Bamako, c'est nous. La mission onusienne a officiellement rétrocédé son camp au Fama. C'est le gouverneur du district qui a présidé la cérémonie en présence de plusieurs autorités militaires et civiles. Nous retrouvons Abdoulaye Sako. Après 10 ans de présence au Mali, la MINUSMA plie bagage. Et cela sur demande des autorités de la transition. Une décision entérinée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Après ceux de l'intérieur du pays, c'est au tour du camp de Senou, l'un des plus grands du pays, d'être mis à la disposition de l'État malien. Cette rétrocession marque donc la fin de la phase de retrait de la MINUSMA du Mali. Depuis 2013, le gouvernement malien a grossièrement hébergé la MINUSMA dans le camp qui a servi de la mission principale comme temps de transit et également comme lieu hébergement pour les personnels militaires et pour les personnels police. Je remercie le gouvernement malien pour son hospitalité, de ses bonnes relations au cours de ces années. La signature du document par le directeur de l'appui à la mission de la MINUSMA et le gouverneur du district de Bamako a mis fin à cette cérémonie de rétrocession.